C'est un cri de détresse, un appel à l'aide. Ce mercredi après-midi, ils étaient une vingtaine de soignants des urgences de La Roche-sur-Yon à s'être donné rendez-vous devant le siège départemental de l'ARS. Après 2 ans de crise sanitaire, le personnel hospitalier est à bout de souffle. Ils sont infirmiers et ont accepté de témoigner anonymement. On doit tout le temps faire des choix sur lequel je vais m'occuper en premier. Sauf qu'on arrive dans des situations où en fait, ils ont tous besoin de nous à l'instant T et on ne peut pas se diviser. C'est-à-dire que dans notre service, on a quand même beaucoup d'entraide, mais on a tous tellement une charge mentale importante qu'on arrive par moments à ne plus s'entraider. Depuis mardi, une partie du personnel paramédical des urgences a décidé de se mettre en arrêt maladie pendant 48 heures. Un moyen de protester jugé plus efficace que la grève. Pourtant, une action à contre-cœur pour ces soignants qui culpabilisent. On est vraiment très mal d'avoir amené ce mouvement, mais là on est dans une telle détresse psychologique en tant que soignant qu'on a envie pour le futur et pour les patients que tout ça, ça change en fait. Des patients installés sommairement dans les couloirs et qui peuvent attendre des heures dans ces conditions. Depuis plusieurs mois, les services des urgences un peu partout dans la région sont surchargés. Alors aujourd'hui, ces soignants tirent la sonnette d'alarme afin de défendre l'hôpital public, mais aussi pour dénoncer la perte de sens de leur profession. On rentre le matin pour ma part, puisque je suis de nuit, en ayant l'impression de ne pas avoir bien fait notre travail, d'avoir pas pris soin des patients comme on l'aurait souhaité. Et beaucoup, beaucoup de ressentiments négatifs quand on rentre chez soi à domicile. De son côté, l'Agence régionale de santé n'a pas souhaité s'exprimer. La direction de l'hôpital, elle, l'a fait via un communiqué. Afin de revenir le plus rapidement possible à la situation normale, la direction poursuit le dialogue avec les équipes. Avec le soutien de sa communauté médicale, elle met tout en œuvre pour traiter les difficultés liées aux conditions de prise en charge des patients aux urgences. Certains soignants ont été reçus par l'ARS. Côté urgence, au CHD de La Roche-sur-Yon, avec une dizaine d'absences prévues ce mercredi soir, le service de nuit risque d'être fortement perturbé.